Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes où nous allons retenter pour la troisième fois Alors pour la troisième fois pour l'instant, mais si je perds de toute façon vous verrez pas cette vidéo. Donc le scénario, la Terre des Lamentations, avec le même deck que la dernière fois et son deck buff. Très peu de changements, j'ai juste enlevé donc les deux vols de Ménéldor dont je vous avais parlé à la fin de la dernière vidéo pour les remplacer par Pipin Tactique et Legolas Tactique. Pipin parce qu'il a 2 de volonté, il coûte 2, donc bah voilà, comme il manque de volonté, c'est toujours ça de prix. Et Legolas évidemment pour pouvoir piocher, si on l'a évidemment. Ici, j'ai juste changé une chanson à boire par une bonne récolte, puisque la dernière fois, vous avez vu, j'ai gâché des ressources, et une bonne récolte permet quand même d'avoir toutes les ressources. J'ai fait la mise en place du scénario, donc j'en reparle pas. J'ai mis les 3 lieux au hasard, enfin les 3 lieux plus au hasard, donc les objectifs et les boss. Et j'ai tiré, donc j'ai défaussé des cartes jusqu'à avoir un lieu. Et bah, comme la dernière fois, c'est la tour de guet qui est sortie. Donc, elle a un ici, puisque elle est à X, X étant le nombre d'objectifs alliés captifs qu'on a sous notre contrôle. Mais là, il n'y en a pas, donc un. Voilà, donc maintenant, mise en place. Pardon, mise en place. Main de départ. Alors, on commence par lui qui sera le premier joueur. 1, 2, oh bah. 3, 4, 5, ouais bon c'est bien ça. 6, alors j'ai quasi aucune carte de pioche, mais j'ai celle-ci, on va en prendre 3 ici, et avec les restores on va en prendre 4. De toute façon j'ai justice lui sera faite, donc c'est même pas la peine de réfléchir, je garde évidemment. Ici, alors, nous, il nous faut un acte démon brumeux, ce serait vraiment bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, toujours pas d'acte démon brumeux. D'un autre côté, je vais piocher avec lui. Et j'ai des dettes de Gwaihir qui sont quand même pas mal. Pour aller chercher Gandalf. Est-ce que je fais. J'ai pas beaucoup. Ah, j'ai 3 alliés. 4 alliés. Ah, si, ça peut peut-être. Ça peut peut-être être pas mal. Ah, bah, j'ai pas le bâton. Ah, j'ai pas le bâton. Bon, ouais, tant pis, on fait un mulligan, on verra bien. Il me faudrait au moins un mec des Montbrumeux ou le bâton, l'un des deux. Parce que bon, l'aigle des monts brumeux, ça nous a cruellement manqué la dernière fois pour résister au boss. Par contre, ouais, on va peut-être pas beaucoup piocher là. Enfin, on va voir. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, est-ce que c'est mieux? Ouais, il y a les aigles d'arrive, c'est pas. Ah, il y a un aigle des monts brumeux, c'est bien. J'ai pas le bâton, mais enfin, un aigle des monts brumeux, c'est bien. Donc, la mise en place est finie. On passe donc à la phase d'organisation, à la phase de ressources. Donc, lui, il a une ressource, et une ressource. Et il pioche 4 cartes avec un restore. 1, 2, ah ben voilà. 3, bien. 4, ouais. Non, j'ai pas de. Bon. Et lui, il en pioche qu'une. Ah, bah, c'est le bâton. Bah, nickel. Et il a une ressource et une ressource. Alors, on est toujours en phase de ressources. Alors, d'ailleurs, du coup, lui devrait finir sa phase de ressources avant que Louis y joue. Mais bon, là, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, en phase de ressources, évidemment, nous allons jouer. Alors, j'ai pas le. Non, j'ai pas le. J'ai pas la carte qui donne plus 2 à un noble. Bon, on va piocher maudit 2. 1, 2. Ah oui, puis il me faut salutation aussi. Ah, il me faut beaucoup de cartes là quand même. 1, ah ben voilà Legolas. 2, un descendant du Torrent d'Or. 1 et 2, chanson à boire. Ok. Bon. Alors ça, c'est bien parce que ça va nous permettre d'aller chercher quelque chose. Toujours phase de ressources. Ouais, alors je peux pas trop prendre le risque, à moins que je joue ça tout de suite. Hein. Toujours phase de ressources, après tout, pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas. Hein. Non, je vais peut-être jouer ça, mais ça me fait défausser une carte. Ouais, je vais jouer ça d'abord. Toujours phase de ressources, donc je pioche 2 cartes. Une, ah bah cool. 2, ah parfait. Et je défausse celle-ci, puisque de toute façon je l'ai déjà. Toujours phase de ressources, je vais jouer ça. J'arrive à 40. Oui, bon, c'était pour. Voilà, j'ai fait tout le tour. Et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3,
4. Bon, bah là, j'ai vraiment tout ce qu'il faut, mais maintenant, je vais pas avoir assez de sous. Alors, ça va être pénible. Je vais pas avoir assez de sous. Toujours phase de ressources, je joue ça. Une, deux, un intendant du Gondor, j'en ai déjà un, donc je défausse. Ah, bah, je viens de piocher ça en plus. Oui, je viens de piocher ça. C'est ça. Donc là, c'était ruine de Daeron. Toujours phase de ressources, je vais arrêter de le dire, hein, mais c'est pour bien qu'on sache ce qu'on fait. Maudit 2, chaque joueur pioche 2 cartes. Une. 2. Ah, enfin. Non, toujours pas. 1. 2. Bon, ça c'est pas mal. Eh ben, je crois qu'on a épuisé nos stocks de pioches. Et on va pouvoir passer. Ah, c'est dommage, j'ai pas les sous là, les deux sous là, des héros nobles là. Je sais plus comment elle s'appelle la carte, c'est pas richesse, je sais plus. Bon, bah, c'est dommage, parce que là, pour une fois, j'ai plein de sous, j'ai plein de cartes à jouer, mais je vais pas pouvoir toutes les jouer là, va falloir faire des choix absolument. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, bah, du coup, on passe en phase, pas de ressources, du coup, la phase d'après, la phase d'organisation. Donc, phase d'organisation, bah, évidemment, c'est lui qui commence. Je joue Justice lui sera faite. Donc, lui, il a 4. Elle est là, 4. Et lui, il a 6. Et je pioche 3 cartes. 1, 2, et 3. Donc 3 cartes. Celle-ci, ça m'est égal, j'en ai déjà une. Celle-ci aussi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je joue? Bon, ça, je peux toujours le jouer sur le champ d'espoir. Je vais le jouer sur Radagast, ça coûte 0, donc c'est bon. L'intendant du Gondor, faut que je le joue. Courage inattendu, ce serait bien. Enfin, je vais tout de suite leur donner des sous, hein, parce que Tison enflammé, ce serait bien aussi. Faveur du Valar, ce serait bien aussi. Ça, bah, je pense qu'on va s'en passer, cette partie-là, hein, parce que je vais pas pouvoir la payer si je veux payer tout le reste. J'ai quoi comme sous? J'ai ça, ça et ça. Donc j'ai 4. J'ai 3. J'ai 3 sous seulement. J'ai 3 sous seulement. En énergie, ça me coûterait 5. En commandement, ça me coûterait 4. Et en connaissance, ça me coûterait 5. Donc il manque 1 ici. Elle, je peux défausser une carte. Donc elle, les 5, elle les a. Et après, j'aurai encore 3 éventuellement aussi. Donc c'est peut-être jouable de tout jouer. C'est peut-être jouable de tout jouer. Alors faut pas se tromper sur qui. Et sachant qu'on a une bonne récolte qui va permettre de. De compléter une des ressources. Alors, du coup, on a dit, elle, on va utiliser son effet tout de suite. On va défausser une carte, par exemple, chanson à boire, dont je ne me servirai pas, pour lui rajouter une ressource. Voilà, 5. Du coup, elle peut jouer ces deux-là. Attendez, il faut peut-être que je fasse ça. Non, elle, de toute façon, si elle est à sec, c'est pas grave, puisque j'ai les autres ressources. Donc, elle peut jouer ces deux-là. Salutation des Galadrim, pour que lui baisse de 6 son niveau de menace. Et courage inattendu. Alors, courage inattendu, est-ce que je le mets sur Gwaihir? Ce serait peut-être pas mal, mais d'un autre côté, il se redresse. Peut-être que sur Irgon, ce serait mieux, en fait. Ou sur Radagast, parce qu'il défend et pourrait attaquer. Ouais, peut-être plutôt sur Radagast. Voilà, j'ai qu'un courage inattendu, donc c'est un peu pénible ce coup-ci. Voilà, donc elle a dépensé ses 5. Ensuite. Ben, je pense que je vais donner toutes les ressources à lui, et comme ça, de toute façon, on compensera avec une bonne récolte. Donc, choisissez un héros Gondor. Il a 2 de plus. Et ça, on va voir après. Je le donnerai bien à lui, je pense, parce que lui, il va avoir besoin de 5 pour faire le Tison et Conseil de Gildor. Donc, ça, regain de force, on va le faire à lui. Donc, je dépense 2, il a 2, et pour gagner 3. Donc du coup, il a 5. Voilà, ce qui fait que pour 2, je peux jouer un Tison enflammé sur Radagast. Comme ça, Radagast il défend sans effet ombre. Bien. Alors maintenant,
L'intendant du Gondor, faut le jouer. Et Pierre de Cébrian, faut le jouer. Donc pour 4, 2, c'était 4. Je vais jouer ces deux-là. Et là, je vais changer ma stratégie par rapport à la dernière fois. L'intendant du Gondor, je vais le mettre sur Irgon. Parce qu'en fait, j'ai quand même plus besoin de ressources tactiques que de ressources connaissances dans le deck. Et donc, du coup, voilà, vaut mieux jouer sur Irgon, je pense. Comme ça, il me reste 3 pour ça. Ensuite, j'ai Faveur du Valar. Bah, je peux le payer, Faveur du Valar. Donc, allons-y, hein, on va pas se priver. Donc, Faveur du Valar pour 3, puisqu'elle est neutre. Je la mets sur ce compteur-là. On peut le mettre sur le compteur d'un joueur. Hein, c'est pas forcément celui qui la joue. Donc là, j'ai Faveur du Valar sur lui. Et du coup, il me reste une ressource ici. Alors, soit je vais chercher une carte, mais ça sert à rien parce que j'ai pas besoin de carte en plus. Là, j'aimerais bien un deuxième courage inattendu, mais même si je le chope, je pourrais pas le payer. Donc ça sert à rien. Donc par contre, je vais jouer une bonne récolte, annoncer connaissance, et comme ça, je peux payer avec n'importe quelle ressource des cartes connaissance. Et pour 1, bah, je vais jouer un Lambas. Alors, je peux la jouer que si j'ai un héros Noldor ou Sylvain, donc c'est bon. Attacher cette carte à un héros, défausser le Lambas pour redresser le héros attaché et lui soigner 3 points de dégâts. Alors, est-ce que je le mets sur Radagast ou est-ce que je le mets sur Gwaihir? Parce qu'elle n'est pas restreinte. Radagast, il a déjà une guérison, donc je pense que je vais la mettre sur Gwaihir. Et ça nous permettra de mettre des dégâts sur Gwaihir et puis à un moment donné de le redresser. Si on ne peut pas le redresser avec un aigle, on va le redresser comme ça. Voilà, donc je suis un petit peu moins équipé que la dernière fois, mais je pense que j'ai des équipements mieux parce que Tison enflammé est essentiel. Et puis surtout, je pense que mettre l'intendant sur Irgon, c'est mieux. Il me reste 3 ressources pour jouer ça. Et ces 3 cartes-là ne seront pas jouées. Alors là, pour le coup, j'ai optimisé les ressources. Et c'est nickel. Bon, bah lui maintenant. Alors lui. De toute façon, on est en phase d'organisation. Et on va aller tout de suite chercher les aigles, hein, de toute façon. Donc, eux, ils sont pas là pour l'instant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bah, ils ont 4 sur 5. Voilà, j'ai jamais fait mieux. Et celle-ci, elle n'est pas aigle, on l'enlève. Ah oui, bien sûr. J'incline l'intendant pour que Irgon ait 2 de plus, donc il a 3. Alors bah, peut-être qu'on va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'avec Ménéldor, on va se faire ça là. Ouais, bah, je pense que je vais jouer exactement comme la dernière fois. Alors est-ce que je joue le bâton tout de suite? Ouais, à la limite. Oui, ce sera payé, hein. Donc Irgon va payer le bâton de Radagast. Tac. Du coup, je l'incline pour que la prochaine créature me coûte 2 de moins, et donc mais je vais faire venir Ménéldor pour 1 au lieu de 2. Et Ménéldor va mettre 2 jetons ici. Et je vais faire comme la dernière fois, je vais jouer le Vol des Aigles pour ramener Ménéldor dans la main. Et donc remettre 2 jetons là. Et mélanger un aigle du Nord dans le deck de rencontre. Encore une fois, c'est pas tellement pour l'aigle du Nord que je fais ça, même si après tout, si on le voit venir, ce serait toujours un bonus. C'est surtout pour les 2 jetons sur le lieu là. Parce que pour l'instant, il est qu'à 1, mais si on ne fait pas très vite. Voilà. Tac. Et du coup, bah, il me reste 2, mais bah, 2, je vais faire comme la dernière fois. Hein, je vais faire revenir Ménéldor. Mais avec le succès de Gargon. Ah, j'avais pas vu que j'avais un deuxième aigle arrive. Ah, mais oui, j'avais un aigle démon brumeux. Ah là là, faut tout refaire. Là. Attendez, attendez. Ah bah oui, mais j'ai mélangé maintenant. Ah oui, parce que je voulais faire venir l'aigle démon brumeux tout de suite, moi. Eh ouais, parce que c'est lui qui va nous permettre d'aller vite là. Alors non, pardon, je refais. Je refais parce que je me rappelais plus que j'avais l'aigle démon brumeux de la dernière fois. Donc j'enlève ça. Voilà. J'enlève ça. Ménéldor, lui, revient dans ma main et on avise. On fait autre chose. Alors on fait autre chose. Bah, d'abord, je vais jouer un autre aigle arrive. Je me rappelais plus que j'en avais un deuxième.
1, merde, 2, zut, 3, 4, 5. Et bah décidément, les Ménels d'or, je les ai. Donc là, j'ai que deux cartes, mais il y a Wiliador, ce qui est pas mal. Ah oui, puis du coup, j'ai mes ressources. Et ça, c'est pas infini. Ah bah non, parce que j'ai payé le bâton, pardon. J'ai payé le bâton, donc voilà. Et hop, hop, j'ai tout foutu en l'air. Et je crois qu'il y a le vassal qui n'était pas dans ma pioche. Voilà. Mélanger ici. C'est la première fois que j'ai pas besoin de tenir compte du rêve, hein, quand même. Ah, mais mince, j'en mets partout là. Ah. On n'a pas commencé la partie encore, c'est ça qui est rigolo. Bon, alors du coup, on en est là. Donc maintenant, on a trois ressources. Donc je pense que je vais incliner le bâton pour payer à 2 de moins. Ben, je vais tout de suite mettre l'aigle des monts brumeux, hein, donc pour 2 au lieu de 3. Et avec un peu de bol, on aura un succès de quête. Et je pourrais faire venir peut-être un gardien ailé qui défendra peut-être tout de suite, se prendra une peignée et qui commencera à booster ça. Et Ménel d'or, je pense que je ferai le coup de ce que j'ai fait tout à l'heure là. Je le ferai avec Ménel d'or, mais le tour d'après. Comme ça, si elle est encore là. De toute façon, là, l'archerie, c'est pas grave parce je vais la mettre là-dessus. Donc, et comme ça, si celle-ci, elle est encore là, le tour d'après, je fais ma petite cuisine avec Ménel d'or, mais je vais le faire le tour d'après. L'important, c'est quand même d'avoir l'aigle des monts brumeux dès le départ. Parce que, et avec soutien des aigles, j'espère avoir un soutien des aigles. Bon, on verra. N'anticipons pas. Alors, donc, il y a 4 dans la ZC. Et il me faut absolument un succès de quête pour pouvoir jouer l'effet Dirgon. Donc, alors, on joue évidemment pour 3 le conseil du Gilles d'Or. Donc, on va tirer qu'une seule carte. Et on va mettre dans la quête bah, tout le monde, en fait, puisque eux, de toute façon, je m'en fous, ils sont partis après. Donc 3, 4, 5 et 6, 7, 8 sans s'incliner, 9, 10, 11, 12, et je pense que je vais me contenter de 12. Je vais sûrement avoir un succès de quête avec 12. Il n'y a que 4. Une seule carte donc. Archerie 2, merde. Une fois révélée, répartissez X points de dégâts parmi les personnages en jeu, X étant le total d'archerie actuelle. Alors le total d'archerie actuelle, il est 3. Parce que elle a 1. Donc bah, je répartis avec mes personnages en jeu. Et je les mets évidemment tous là-dessus. Ok, donc lui, il va falloir le buter rapidement. Donc, il y a 3 de plus, il y a 7. Moi, j'ai 12, je gagne 5. 3. 4 et 5. J'aurais peut-être dû mettre... Ah, j'aurais peut-être dû mettre le courage inattendu sur Irbon, quand même. Bon, c'est pas grave. Donc, je gagne 5. Voilà. Ensuite, on va voyager. Alors, il faut forcément voyager vers un des lieux qui pose problème, parce que sinon, on va trop monter la menace. Alors, ah ben voilà, moi, c'est l'allié que je cherche, là. Ah bah ben, c'est marrant, je crois qu'il était exactement dans la même config la dernière fois. Ouais, mais elle est à 4, mais je pense que ça va se tenter. Ouais. Donc, on fait comme la dernière fois, hein, je voyage vers ça, parce que j'ai absolument besoin de piocher, encore que des cartes, j'en ai, là. Ouais, à la limite, des cartes j'en ai. Est-ce que j'ai vraiment besoin de piocher? J'ai Legolas en plus. Si, je préfère quand même. Ah, mais attendez, j'ai pas fait mon succès de quête. J'ai pas fait mon succès de quête. J'ai eu un succès de quête. Je vais donc faire venir un gardien ailé pour 1 au lieu de 2 avec l'effet Dirgon. Voilà. Et comme ça, le gardien ailé, s'il défend, eh ben, on pourra tout de suite. On pourra tout de suite booster l'aigle des monts brumeux. Voilà, je pense que c'est le mieux. Et donc, j'ai dit que je voyageais vers ça pour essayer d'avoir Edrail le plus rapidement possible. Donc, lui, il va en ZC et il attaque à 7 ce tour-là à cause de cette carte. Voilà. Donc là, c'était la phase voyage. Du coup, Wiliador, il aurait pu aller en quête puisque, du coup, ouais, j'aurais pu... Ouais, bon. Ensuite, lui, il engage volontairement celui-là, parce que de toute façon, il va se prendre une peignée. Et lui, on va engager volontairement ici.
Alors, il y a Archerie 2 à faire. Alors, je crois qu'Archerie, ça se partage entre les joueurs. Hein. Si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez. Il y a Archerie 3 à faire d'ailleurs, puisqu'il y a encore cette Archerie-là aussi. Tant qu'elle est dans la zone de cheminement. Donc, il y a Archerie 3 à faire. Et je crois que ça se partage entre les joueurs. Donc, oui, c'est Archerie, on se partage entre les joueurs. Donc, je remets les Archeries que sur lui. Le pauvre, il s'en prend plein la vue. Ici, je fais une attaque sans défense à 7. Pas d'effet d'ombre, et donc on dit qu'il reste hors mur. Alors c'est bien aussi d'avoir un deck buff dans ce scénario, parce que c'est vrai que le premier tour, on peut du coup voyager vers ce qu'on veut, parce que le monstre, il nous fera rien, quoi. Puisque de toute façon, on le sacrifie. Donc voilà, bah, lui, c'est fini. Alors lui, bah, je pense que je vais défendre avec l'aigle démon brumeux. Alors est-ce que j'ai le moyen de le tuer derrière? Il faut 5 et 2, 7. Oui, je les ai largement. Donc tac. En espérant qu'il n'y ait pas d'effet d'ombre, l'ennemi attaquant gagne 2 défenses jusqu'à la fin du tour, ou de la phase d'ailleurs. De la phase. Bon, bah, il défend à 4. 5, il attaque à 4, et je défends à 4, il se passe rien, sauf que je peux pas payer pour le garder, le gardien ailé. Donc il va booster l'aigle démon brumeux. Et du coup, on attaque. Alors, est-ce que j'ai assez pour le tuer? C'est pas sûr. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pile. Puisqu'il défend à 4, il a 5 points de vie et il est mort. Heureusement que j'ai boosté l'aigle démon brumeux, vous voyez. Mais je regrette, je pense que mon courage inattendu, il aurait été mieux sur Irgon. Parce que Irgon, le problème, c'est qu'il va faire que partir en quête. Et pour tuer le héros de tout à l'heure, là, pour tuer le boss où on peut faire qu'avec les héros, ça va être un peu pénible. Enfin, on verra. Voilà, donc là, je suis en fin de tour. Donc, je redresse tout le monde, sauf Gwaihir, puisque Gwaihir ne peut pas se redresser automatiquement. J'augmente de 3 mon niveau de menace, toujours pareil, puisque... De 3. Puisque il y a 2 lieux camps dans la ZC. Là aussi, de 3, mais de toute façon, nous sommes en fin de tour. Donc, ils s'en vont à cause de justice lui sera faite. Et lui retourne en ZC. Ah oui, du coup, ça, je ne ferai pas ce tour-là. Et voilà, tour suivant. J'ai une carte et j'ai des sous. Donc, un ici. Non, oui, un ici. Trois ici parce qu'il a l'intendant. Et un ici. Alors, sachant que cette fois, j'ai le bâton. Donc, du coup, je peux quand même jouer pas mal de cartes. Alors, on va faire notre petite cuisine avec Lunel d'or. Je vais incliner le bâton pour le payer 1 avec par exemple lui. Voilà, et je mets 2 là-dessus. Ensuite, je joue le vol des aigles pour le remettre dans ma main. Remettre 2 et mélanger un aigle du nord dans le deck de rencontre. Ce serait quand même bien. Qu'on envoie un venir un jour. Tac. Et du coup, surtout, ça redresse Gwaihir, puisque un aigle est venu en jeu, et il l'a même quitté d'ailleurs juste après. Mais ça redresse Gwaihir. Voilà. Et alors du coup, mais j'ai encore des ressources, j'ai 4. Je vais faire venir lui, je pense, puis je pense que je vais refaire venir Ménéldor. Puis on sera pas mal. Hein. Ah, remarque, je pourrais faire venir Legolas. Non, j'ai plus 4. Legolas, ce sera le tour d'après. Ah, à moins que je fasse venir le corbeau. Ouais, c'est pas mal ça. Donc pour 1, je vais faire venir le corbeau messager, qui est une créature donc, que je peux payer avec Radagast. Et pour 3, eh ben, je vais faire venir Ménéldor une deuxième fois. Du coup, il va nous finir. Voilà, donc il nous a fini, Ménéldor nous a fini le lieu. Et donc, je l'ai enlevé pendant qu'il y a eu la petite coupure. Voilà, et là, bah, du coup, j'ai pas mal de volonté quand même. Ah ouais, mais c'est faire venir lui, c'est un peu embêtant. Non, je ne vais pas faire venir lui, en fait, parce que j'ai envie de booster mon aigle. Donc, à la place, pour 1, je vais faire venir Will'Liador. Voilà, avec le 1 de ressources, je fais venir Will'Liador. Alors pourquoi? Parce que comme ça, il va, à la fin du tour, il va booster l'aigle de démon brumeux.
Et puis, comme j'en ai un autre, bah, de toute façon, je le jouerai après. Et en plus, ça redressera Gwaihir en fin de tour. Donc, on est pas mal. 3, 4, 5. Alors là, maintenant, ce qui serait bien, c'est de faire ça d'un coup. Mais là, j'y crois que très moyennement. Donc, sachant que j'ai plus de ressources pour faire l'effet d'Irgon. Donc ça, c'est peut-être un peu bête. Parce que l'effet d'Irgon, c'est un minimum de 1. Donc vous ne pouvez pas faire venir un allié qui coûterait 1 avec Irgon. Donc, bah, de toute façon, 4 avec Irgon. 5, 6, parce que j'ai fait venir des créatures. 5, 6. 7, 8. 9, 10. De toute façon, il y a bien un autre qui va. 10, 11, est-ce que je mets l'Aigle des Monts Remus? Non, parce qu'il faut qu'il défende. Ah bah non, il n'y a que les héros qui défendent là. Ah merde, alors du coup. Ah bah lui, il peut défendre. Ouais, c'est ça. Donc c'est bon. Donc je vais mettre que 11. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'avais dit que j'avais 11. Ah oui, 10, 11. Avec la pierre de Célébré. Bon, je passerai pas ça, hein, c'est dommage. Ah, je passerai pas ça. Un lieu à 3. Tant que les personnages ne peuvent pas être soignés. Ok, d'accord. Bon, bah c'est nul. Donc j'ai que 8, malheureusement. Je vais gagner que 3. Et c'est bien dommage, parce que à un près, je passais. Ah ouais, mais du coup, lui, je suis bête. Ah oui, bah, ouais, je l'avais prévu au cas où il y aura un deuxième ennemi qui arrive. Donc. Ah là là, ça va nous faire beaucoup dans la ZC, là, ça va être pénible. Ah, puis on n'a pas nos flèches, là, ce coup-ci. Là. On n'a pas nos flèches. Enfin, c'est pas grave. Donc, lui, je l'engage, évidemment. Alors, j'ai eu un succès de quête, mais je peux rien faire. Donc, lui, je l'engage. Lui, bah, il peut rien faire du tout. Ah ouais, du coup, je vais faire que défendre ce tour-là. Hein. C'est nul, ça. Je défends avec lui. Ah, c'est nul, c'est nul, nul, nul. Bon, il faudra que je prévoie le coup d'après. Je défends avec lui, j'enlève l'effet ombre avec le bâton. Il n'y en avait pas de toute façon. Il attaque à 4. Et il se prend 1. Sachant qu'il ne peut pas être soigné tant que ça, c'est dans la ZC. Donc c'est un peu la loose. Mais du coup, je voyagerai vers ça le prochain coup. Voilà. Donc là, on a fini. Bah, lui, il ne peut rien faire parce qu'il n'y a que les héros qui peuvent attaquer. Alors j'hésite. Non, je ne vais pas gâcher mon lambas à redresser. À redresser Gwaihir parce que si c'est bête parce que je le soignerai même pas donc non donc tant pis là il m'a manqué un aigle à faire venir en phase de quête là pour redresser Gwaihir. Bon c'est pas grave allez fin du tour je redresse pas Gwaihir justement je redresse tout le monde ah mais si Radagast Radagast il peut se redresser lui donc je redresse Radagast et j'attaque à 2 bah ça lui fait toujours 1 c'est toujours ça de prix. Voilà. Et maintenant, je redresse tout le monde. Fin du tour. Alors, en fin de tour ici, soit je paye, soit lui, il s'en va, bah, il s'en va. Mais du coup, ça redresse Gwaihir. Puisque, à chaque fois qu'un aigle arrive ou part, ça redresse Gwaihir. Ça vient. Voilà. Et donc, je monte toujours de 3 mon niveau de menace. Je suis à 37 déjà. Hein. C'est. Et je pioche une carte, c'est Gandalfi. Ça, c'est pas mal que ce soit Gandalfi. 3. 1. Alors, Gandalfi, c'est bien, mais c'est pas top. Alors, est-ce que je refais mon truc avec Meneldor? Non, parce que je l'ai déjà ici, ce con. Ah, je peux pas. Du coup, il faut que je sacrifie. Là. Donc là, on va essayer de faire venir le plus d'aigles possible. Je n'ai pas mes émissaires, malheureusement. Ah, c'est peut-être le moment de faire venir Legolas. 4, puis lui pour 1. C'est peut-être le moment de faire venir Legolas, même si... ce qui m'inquiète, c'est la quête, là. 3, 4, 5. Faut au moins que j'ai 1. Donc, disons qu'il faut que j'ai 10. Et ça va impliquer de mettre Gwaihir en quête. Alors non, parce que, attendez, parce que je peux... Ah, Legolas, je vais essayer de le payer. Je vais essayer de faire un succès de quête avec Legolas, avec Irgon. Comme ça, je ferai venir Legolas à 3. Au lieu de 4, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Mais du coup, est-ce que je fais venir... Bah, je vais faire venir lui, ça c'est sûr. 1. Check. Et, bah, moi, faut, c'est tout. Les autres, ils sont trop chers. Et en succès de quête pour 1... non, j'ai dit qu'en succès de quête, je faisais venir les Legolas.
Donc maintenant, il faut absolument qu'on passe ça. Il y a 3, 4, 5. Il me faut 1. Donc disons qu'à 10, disons qu'à 11, je passe. Mais 11, je les ai pas, je pense. À la limite. Bon. 2. 3. 4, 5. 6, 7, 8, 9. 10. Ah oui, mais ce ne sera pas un aigle. Si je fais venir Legolas, ce ne sera pas un aigle. Donc je ne pourrais pas faire l'effet de Gwaihir. De toute façon, je peux pas faire autrement. Hein. 10. Et je ferais bien 12. Puis tant pis. Si on a un ennemi, par contre, on est mal. Non, parce que si on a un ennemi, Radagast peut en défendre 2, donc à la limite. Ah, mais attendez. J'ai pas utilisé mon bâton là. Oui, c'est ça. Donc avec le bâton, je pourrais redresser l'aigle des monts brumeux au pire. Ou Gwaihir. Ah non, c'est un allié, je crois, juste. Ah oui, un allié créature. Bien. Ouais, bon, bah on gérera avec le bâton. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, 13, j'espère avoir ça quand même. Oh putain, la même que là. 3 et 3, 6, 7, 8. Oh là là, qu'est-ce que c'est, la plaie, ces lieux là. Donc je gagne 5, 5 moins 1. Je gagne encore 4 sur la quête, mais surtout, j'ai lui. Voilà. Donc succès de quête. Pour 3 au lieu de 4, je fais venir Legolas. Est-ce que c'était le bon plan, ça? Est-ce que je ne ferais pas plutôt venir le descendant de Thorondor? Comme ça me redresserait lui. Puis Legolas, je le paye plein pot. Après, de toute façon, il ne peut pas attaquer Legolas, là. Ouais, je pense que Legolas, c'est une mauvaise idée. Je vais faire venir un descendant de Thorondor. Parce que c'est un aigle, et du coup, ça redresse lui. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux parce que de toute façon, Legolas, il n'y a pas de monstre là, je m'en serais pas servi. Et donc là, par contre, on va forcément voyager vers ça parce que ça commence à bien faire. Donc ça, c'était la quête. Hein. Il n'y a rien de plus à faire. Et du coup, pour voyager, chaque joueur inflige un point de dégâts à un personnage qu'il contrôle. Je vais mettre un point de dégâts à lui. Et comme ça, le deuxième voyage, je vais le faire partir. Ah bah oui, mais du coup, ça ne servira à rien. Ouais, on verra. Un point de dégâts à lui. Et maintenant, combat. Alors, du coup, on va essayer de le tuer ce tour-là. Si tout va bien, on y arrive. Je défends avec Radagast. J'enlève l'effet ombre de toute façon, grâce au bâton. Il attaque à 4, je défends à 3. Il se prend 1, je le redresse. Et je peux attaquer avec Gwaihir et Radagast, ils attaquent à 6. 6 moins 1, je lui fais 5. Et bien, vous voyez que le petit jeton de Radagast de tout à l'heure, c'est ce qui me permet de le tuer ce tour-là. Donc c'est parfait. Et du coup, j'ai même pas utilisé le bâton. C'est un peu la loose. Bon, c'est pas grave. Fin de tour. Je redresse tout le monde. Sauf Gwaihir. Je monte de 3, je suis à 40. Je suis au tour 3. Et lui là, alors, question, est-ce que je le garde ou est-ce que je le mets sous l'aigle des monts brumeux? Voilà, je pense que je vais le garder en payant 1. Voilà. Donc, carte, des sous. Et alors maintenant, est-ce que ça vaudrait pas le coup? Ah bah du coup, il s'est ah bah, pas redressé. Ah ouais, il s'est pas redressé du coup. Donc faut que je joue un aigle là. Bah, je vais faire venir un autre descendant. Ah bah non, lui il est pas mal aussi. En plus, ça peut m'annuler des dégâts. Ah, mais c'est pas un aigle. C'est pas un aigle. Moi je vais redresser. Ah, puis il y a lui là pour la quête ce tour-là. C'est mieux. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je pense que là il faut faire venir Legolas. Ouais, pour 4, on va faire venir Legolas. Faut que je pioche. Faut que je pioche. Et comme les autres ennemis. Comme les autres ennemis. Je peux les tuer avec, je peux les taper avec Legolas, comme ça je vais piocher. Donc ça, je fais venir Legolas et avec le Irgon, je vais essayer de faire venir le gardien ailé pour redresser Gwaihir. Quoi que je pourrais le faire venir maintenant, remarque, parce que j'ai le bâton encore,
Mais le bâton, je préfère quand même le garder pour redresser l'aigle des démons bombés. Ça me paraît mieux. Bon, bah allons-y, allons en quête. Il y a toujours 5. Il faut faire ça, mais on n'y arrivera pas tout de suite. Mais on... Alors là, j'espère un ennemi pour... Alors lui, 200 s'incliner parce que j'ai bien joué une créature. Ah, ben j'ai pas joué une créature ce tour-là. Merde. Ah oui, bah si, il faut jouer une créature parce que sinon... Bon, bah on va incliner le bâton pour jouer un gardien ailé à 2 de moins. Pim. Et du coup, ça redresse Gwaihir. Et surtout, j'ai joué une créature ce tour-là. Et donc Radagast ne s'incline pas pour aller en quête. Voilà, c'est mieux. Et non, je vais pour comme... Ouais. Et non. Non, pas comme ça, plutôt comme ça. Voilà. Donc ça ne redresse pas Gwaihir, mais j'espère faire venir le gardien avec le succès de quête. Et Irbon. Voilà. Donc du coup, 2 sens inclinés. 3, 4, 5, 6. 7, 8. Ah, 9, 10, 11. Et comme ça, on va piocher. 11. Ah, je pense que 11. On... Ah, 11, non, il faut faire 4. 11. 12. Allez, 13. 13. J'aurais pu mettre lui aussi, mais je préfère garder des trucs pour attaquer. 13. Oh merde, mais c'est pas possible. Putain, mais que des lieux là. J'en ai marre des lieux là. Je veux des ennemis maintenant, moi. Donc elle a 2 parce que j'ai un captif. Donc il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, la bonne nouvelle, c'est que moi j'ai 13. Donc 7, je gagne 6. 6 moins 4, ça c'est exploré. Et j'ai donc 2 jetons de plus sur la quête. Bon, la mauvaise, c'est qu'on a archerie ici. Ah ben remarque, je vais peut-être. Est-ce que je me prends un tour de rab? Non, là, il faut absolument aller vers les ennemis. Hein, parce que... Alors j'ai un succès de quête. J'ai un succès de quête. Donc pour 1 au lieu de 2, je fais venir lui. Tac. Et donc du coup, ça redresse Gwaihir. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas se soigner tant qu'elle est là. Bon, de toute façon, il faut que je voyage vers un des deux. Hein. C'est pas possible de différer parce que sinon ma menace, ça va trop vite monter. Donc on va là ça va me faire souhaiter. Ah bah si ça va me faire ça va me tuer Ménéldor, c'est une bonne nouvelle ça. Alors dit comme ça, c'est pas bien dit, mais si ça va me tuer Ménéldor, et comme j'en ai plein, je vais pouvoir le faire après. Ah ouais, c'est bien ça. Donc du coup, alors la caserne ou les quartiers? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Tiens, 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 effectue immédiatement une attaque. Donc lui, il attaque 2 fois, et là, l'ennemi ne peut pas subir de dégâts. Alors moi je veux qu'il subisse des dégâts parce que j'ai plein de persos. Donc on va voyager vers les quartiers des esclaves. Et c'est Borlak. Donc il engage le premier joueur. Et il effectue immédiatement une attaque. Ok. Alors il attaque à 6. Je défends avec le gardien ailé. L'ennemi attaquant gagne 1 pour chaque lieu camp dans la pile de victoire. Donc il gagne 1. Donc il attaque à 7. 7 moins 4, je lui fais 3. Il a 1 point de vie. Donc il y a encore 2 points de vie à répartir quelque part. Ça, c'est l'effet de Borlak. Mais ça s'en va sous l'aigle des démons brumeux. Par contre, j'ai oublié de piocher avec lui là. Oh, cool. Donc les 2 dégâts en excès, je vais les mettre. Bah, un sur Ménéldor. Tout de suite. Pof. Donc il s'en va. Et il vient là. Et un autre sur. Sur Will'Liador, parce que de toute façon, il va partir aussi. Voilà, donc ça, c'était la phase voyage. Ensuite, phase rencontre, il n'y a pas. Par contre, phase combat, il y a 2 archeries à faire. Ça va me saouler vite là. 2 archeries à faire. Je vais les mettre sur. Bon, un sur lui et un deuxième sur lui. Puis combat contre Borlak. Je vais défendre avec l'aigle de démon brumeux qui défend à 6. Le personnage défenseur ne peut pas se redresser à ce tour. Bon. Ah oui, mais jusqu'à la fin du tour, du coup. Non, à ce tour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que je ne le redresse pas. Oui, je ne le redresse pas en phase de restauration. Donc, faut y penser. Je vais mettre un jeton jaune.
Donc il attaque à 6 et je défends à 6, il se passe rien. Et du coup, j'ai pas de dégâts en excès à mettre. Et maintenant, est-ce que je le tue? C'est pas sûr que je le tue. Parce qu'il faut 11. 3, 4, 5, 6, 7, 7 et 4, 11. Oh, c'est au point près. Pim! Il meurt. Et grâce à Legolas, je pioche une carte. Bien. Voilà. Nous sommes en phase de combat, fin de la phase de combat. Avant, je peux redresser Radagast d'ailleurs pour le fun. Je vais jouer en fin de phase de combat. Je vais jouer tout de suite le vol des aigles. Donc je vais ramener Will'Liador dans ma main. Et je mélange un aigle du nord mis de côté. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien parce qu'évidemment, ça redresse Gwaihir. Et donc, je n'ai pas besoin. De chercher à le redresser. Et voilà. Donc maintenant, nous sommes en phase de restauration. Je redresse tout le monde, sauf l'aigle démon brumeux, puisque malheureusement, il s'est pris son effet ombre. Là, je ne monte plus que de 2. Je suis au tour 4. Je pioche une carte. C'est un vassal du Seigneur des Vents. 3, 1 et 1. Alors, j'ai bien. De toute façon, le bâton, il va servir à redresser l'aigle. Ça, c'est quasi sûr. Alors là, il y a ça. Alors, je vais essayer de faire mon micmac avec Ménéldor. Et c'est là que je vois que je me suis précipité avec mon. Merde, parce que Ménéldor, je ne peux pas le faire revenir avec ça. Ah, j'aurais dû garder. Parce que comme ça, j'aurais fait le micmac avec ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Oui, mais de toute façon, il serait parti, lui. Oui, et ben, c'était mieux, en fait. Donc, je change ma stratégie. Tout à l'heure, j'ai joué ça pour ramener ça dans ma main. Mais en fait, non, je ne vais pas faire comme ça. Ce que je vais faire, c'est que lui, là, à la fin du tour, je ne pouvais pas le payer, donc il s'en va. Et donc, il allait booster l'aigle de démon brumeux. Mais de toute façon, ça redresse quand même Gwaihir, hein. Voilà. Parce qu'il quitte le jeu, hein, en fait. Hein. C'est bien marqué, il quitte le jeu, et quand il quitte le jeu, pouf, il peut aller ici. Donc ça redresse Gwaihir. Et du coup, maintenant, je vais jouer Ménéldor. Ouais, mais du coup, ça m'assèche toutes mes ressources. Est-ce qu'on a vraiment besoin de jouer Ménéldor? Ouais, parce que ça manque Kicking quand même. Hein. Ou celle-là d'ailleurs. Ouais, je vais plutôt faire avec celle-là, comme ça, avec 4. Et elle, c'est pas grave, de toute façon, les deux, je les mettrai sur Ménéldor. On va faire comme ça. Donc, pour 3. C'est chéro quand même. Non, bah tant pis, pas pour 3. Si, pour 3. Voilà, pour 3. Je fais venir Ménéldor. Pim. Donc, je mets 2 là-dessus. Voilà. Ensuite, je joue Vol des Aigles. Je ramène Ménéldor dans ma main et je remets 2 là-dessus. Et ça, c'est bon. Voilà. Voilà. Et ben, je pense que avec 2, je vais peut-être pouvoir. Ah, bah tiens, je vais faire ça déjà. 1, 2, 3, 4, 5. Nous n'en avons que 2. C'est pas si mal. J'ai pas soutien des aigles. Soutien des aigles, ce serait vraiment excellentissime. Parce qu'avec un aigle démon brumeux boosté comme ça boosterait Gwaihir de manière radicale. Mais malheureusement, je ne l'ai pas. Alors, bah, du coup, il me reste 2. À la limite, je ferais bien venir l'émissaire des aigles, mais je pourrais pas le garder, donc non. Bah, je pense que je vais faire pour 1. Un corbeau messager, comme ça. Ça me fait toujours un à faire. Et puis bah tout de suite, je pense, on va voir si on en a besoin. Mais je pense que le bâton de Radagast, il va falloir l'incliner. Allez, quête! Il y a combien d'un ZC du coup? Il n'y a que 3. J'ai fait les archeries? Oui, j'ai fait les archeries. Donc là, bah, ça va être. Donc lui pour 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10. 10, ça passe, hein. 3, 6, oui, allez, 10, ça passe.
Tant qu'elle est. Bon, ça, c'est une carte qui s'attache à un ennemi orientaux, il n'y en a pas. Par contre, elle a renfort. Et voilà l'esclavagiste de Nurm. Tant que le nombre de lieux de camp dans la zone de cheminement est inférieur au nombre de joueurs, non, parce qu'il y en a un et je suis un. Donc, il n'a pas son renfort. Donc, il y a 2, 3, 4, 5. Et moi, j'ai dit que j'avais 10. Je gagne 5, 5 moins 3. 5 moins 3, je gagne encore 2. Bon, c'est pas si mal ça. Et je récupère lui. Alors, est-ce qu'on temporise? Alors, j'ai eu un truc cette quête. Donc, pour 1 au lieu de 2, je vais faire venir l'émissaire des aigles. Ah, bah oui, je suis con, du coup, j'aurais pu mettre Goyer en quête. J'ai pas pensé. Et j'ai eu un succès de quête, je pioche une carte. C'est un deuxième émissaire des aigles. Et voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on voyage tout de suite ou est-ce qu'on temporise un tour? Parce que j'ai une faveur du Valar, j'ai un Gandalf. Je pense qu'on peut peut-être temporiser. Qu'est-ce qu'il fait lui déjà? Ah ouais, en plus lui il monte ma menace, lui il est chiant lui. Ah ouais, il ne peut pas subir de dégâts à ce tour. Ça veut dire que de toute façon. Ah si, faut que je voyage, ouais. Il peut pas subir de dégâts, donc je vais gérer les deux. Hein. Il faut absolument que je voyage. Allez, je voyage parce que sinon ça va monter trop vite, ça va être l'enfer. Après, je suis pas obligé de le tuer lui de toute façon pour passer. Donc, allez, je voyage. Donc lui, il vient là et il peut pas subir de dégâts ce tour. Donc j'engage lui, j'engage lui. Voilà. Début de la phase combat. Il y a deux archéries à faire. Deux archéries à faire. On va les faire sur qui les archéries? On va les faire sur. Un sur lui. À la limite, j'en mettrais bien sur Boyer que je me sers de mon lambasse quand même. Mais non, non, je pense pas. On va les mettre sur. Tant qu'on peut mettre sur ailleurs. Ah oui, mais il y a la traîtrise avec tous les personnages blessés là. Vaut mieux blesser toujours le même en fait. Ah mais je peux le soigner en plus lui. Ouais, je vais le mettre sur Radagast. Voilà. Maintenant, j'incline le bâton pour redresser l'aigle de démon brumeux. Ensuite, je défends avec Radagast contre lui, sans effet ombre grâce à son bâton, à son tison enflammé. Donc il attaque à 3, je défends à 3, il se passe rien. Et lui, on va le défendre avec l'aigle de démon brumeux. De toute façon, il ne peut pas subir de dégâts ce tour-là. Donc, il n'y a pas d'effet d'ombre. Il attaque à 5. Je défends à je ne sais pas combien, mais beaucoup trop. Par contre, je suis obligé d'augmenter de 1 mon niveau de menace. Puisqu'il m'a attaqué. Voilà. Maintenant, bah, on va déchirer lui quand même. Hein. On ne va pas se priver. Lui, on ne peut pas, mais lui, l'autre, on peut. Donc, 3. 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et il est mort. Boum. Tiens, je pouvais même le faire avec. Je pouvais même le faire avec Radagast d'ailleurs. Voilà. Et ben, on est bon. On est bon, je pense. Là, il n'y a rien à faire de plus. Non. Voilà. Et ben, on est bon. Les deux archeries, je les ai faites. Au pire, je défausserai des cartes parce que maintenant je peux soigner Radagast. Donc au pire, je défausserai des cartes pour soigner Radagast. D'ailleurs, je peux déjà en défausser une puisque le bâton ne servira plus. Et voilà. Et donc, fin du tour, je redresse tout le monde. Ah, j'ai pas pioché ma carte parce que Legolas, il vient de détruire un ennemi. Là. Voilà, c'était la flèche rouge qui vient d'arriver. Je suis à 44 parce que cette fois-ci, il n'y a plus de lieu ici. Donc, voilà, je suis à 5. 3, 1, et. Alors là, de toute façon, dès qu'on a exploré ça, on passera en 2B. Donc, on va se prendre tous les méchants. Alors, est-ce que ce ne serait pas le moment, du coup, de faire venir Gandalf? Parce que si on passe, on va se prendre toutes les merdes. À mon avis, ouais, mais si on passe pas, remarque. Je pense que je vais faire venir Gandalf ce tour-là, parce que j'ai besoin. Ah, remarque, la flèche rouge est encore mieux finalement, parce que si j'ai un dessus de cette quête et comme je suis à 44,
Donc, c'est-à-dire en vaillance, je vais pouvoir faire venir un allié parmi les 5 premières. Et avec un peu de bol, il y aura un Gandalf. Oh, c'est bon ça. Oui, je vais tenter le coup. Allez, pour 1, je fais la flèche rouge sur Irgon. Et comme ça, si on a un succès de quête, je vais la jouer tout de suite. Et comme ça, avec un peu de bol, j'aurai un deuxième Gandalf dans les 5 premières. C'est possible parce qu'il me reste pas. Ouais, c'est possible, enfin bon. Et au pire, je ferai venir un autre aigle, c'est pas grave. Et du coup, il me reste des ressources alors. Est-ce que je fais pas venir un deuxième aigle des Mondes Remus? Meneldor, je l'ai plus Meneldor là. Je peux le faire venir Meneldor. Donc pour 3, je le paye plein pot. Je fais venir un petit Meneldor, qui est une créature, et qui me met 2 là-dessus. Là. Tchouk. Et il me reste 2, et ben je pourrais faire venir pour 1 avec Irgon, je pourrais faire venir l'émissaire des aigles, un deuxième émissaire des aigles, et ça me paraît pas trop mal. Alors, sur les défenses, comment on va faire? Je pense que Radagast, il va défendre il va défendre celui qui est obligé d'être défendu avec des héros. Par contre, il faudrait que je réserve ces deux-là Ouais, je ne le tuerai pas tout de suite, mais c'est pas grave. Lui, il va en défendre un, que je le redresserai avec le bâton. Il pourra peut-être les défendre au deuxième ou attaquer. Je pense que je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal. On va voir. Donc, faut passer ça. Il y a 2 dans la Z. Ah oui, mais non, maintenant, elle est à 3. Elle est à 3 parce que j'ai un deuxième. Ah bah, tout à l'heure aussi, d'ailleurs, elle était à 3. Donc, j'ai une archerie que j'ai pas faite là, tout à l'heure. Je vais mettre à lui. Ouais. Parce qu'elle était à 3. Ah oui, mais non, parce que je préfère blesser toujours les mêmes. À cause de la traîtrise là. Ouais, bah c'est pas grave, à 3. Oui, bah, elle était à 3 parce que c'est le nombre de captifs que je contrôle plus 1. Donc, et là, elle va être à 4. Bon, alors du coup, il y a 3. Il faut 5. Donc 8. Donc disons qu'à 11, je passe. Radagast, il va sans s'incliner parce que j'ai joué une créature. Donc 2. Lui, il a 5 maintenant grâce à la flèche rouge. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va mettre Meneldor, 8, 9. Lui, j'ai pas envie de le perdre. Donc 9, 10, 11, 12. Allez, 12. On y croit. Un dieu à nous. Une fois révélé, chaque exemplaire des plaines vallonnées gagne plus 2 jusqu'à la fin de la phase. Donc elle est à 4, 4 et 3, ça fait 7. Je gagne 5. Ouf, au point près. Je récupère lui. Ah bah non, j'ai pas 15 en fait là. Je suis con moi. Je passe pas là. Oh, quel blaireau. J'ai pas les 15 là. Ouais, je me croyais dans la situation de la dernière fois, mais non, j'ai pas les 15 là, donc je passe pas la quête. Par contre, elle est à 4. Ah, bah quelle naze, quelle naze, quelle naze. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de le tuer? On verra. Oh, bah quelle naze. Ah, quelle naze. Bon, c'est pas grave. J'avais pas du tout pensé que j'avais pas les 15 jetons là. Bon, bah, c'est pour. Donc, bah, succès de quête quand même, hein, mine de rien. Donc, bah, je vais faire venir l'émissaire des aigles pour 1. Heureusement que j'ai pas fait venir Gandalf, du coup. Heureusement que j'ai pas fait venir Gandalf. Pour 1, au lieu de 2, je fais venir l'émissaire des aigles. J'ai eu un succès de quête, donc je pioche une carte. Ah bah mince, en plus, vous voyez, ça aurait parfaitement fonctionné. Il était là, le Gandalf. Avec la flèche rouge, j'aurais pu. Ah, la loose. Et puis là, du coup, il en reste plus qu'un. Donc, il y a très peu de chances de l'avoir. Ah, c'est la loose. C'est la totale lose. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai fait tous les trucs de succès de quête. Ouais. On va voyager vers ça parce que lui, 4 archeries, ça commence à être beaucoup. Faut révéler la carte du sommet du deck de rencontre. Et c'est un lieu à. C'est un lieu. Il arrive à 4, mais là, on s'en fout. Donc, du coup, ce sera bien comme ça. Bon bah lui on va le smatcher hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il en prenne pas plein la tronche aussi. On va défendre avec l'aigle des monts brumeux. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Il défend à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il se passe rien. À part que j'augmente de 1 mon niveau de menace à cause de son effet. Et puis ensuite on va attaquer avec Legolas. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 10, ça suffit largement. Allez, 11, 12 même, tiens, pour le fun. Ah non, 10, ça suffisait pas, il faut 11. Donc 12. Et il est mort. Mais de toute façon, il va revenir le tour d'après. Donc, Mais par contre, je pioche une carte grâce à Legolas. Et c'est encore un émissaire des aigles. Fin du tour. Je redresse tout le monde.
Je voudrais bien un soutien des aigles quand même pour vous faire voir, parce que j'adore, enfin ce serait vraiment super de la jouer. Surtout maintenant avec... Et non, c'est un vassal du Seigneur des Vents. Ah là là, quel dommage que j'ai pas un soutien des aigles là. Pourtant j'ai pioché, hein, parce que là pour le coup j'en ai de la carte. Hein. Alors est-ce que pour le coup, maintenant ça se discute, est-ce que je fais venir Gandalf? Je pense que la flèche rouge, elle ira pas chercher Gandalf parce que j'ai quand même trop de cartes, il y en a qu'une. Il n'y en a plus qu'un. Donc je vais payer Gandalf plein pot, je pense. Je vais payer Gandalf plein pot. Et puis comme ça, on en profitera ce tour-là pour gérer les ennemis. Parce que là, j'espère bien passer quand même. Il y a 4 dans la ZC. Il manque 2 ici. Il faut 3 ici. Donc il me manque 5. Donc 9. Une carte à 4 maxi. Ça fait 13. À 13, je passe. On va dire qu'à 13, je passe. 13, je les ai. Hein. 13, je les ai. Ouais, je pense que je vais faire venir Gandalf. Paf. Allez, 5. 1, 3, 4, 5. Pim. Alors, qu'est-ce que je fais avec Gandalf? Est-ce que je baisse mon niveau de menace? Je pense que je suis serein parce que j'ai la faveur du Valar. Donc, je suis pas spécialement pressé. Et puis, de toute façon, à Gandalf, j'en ai un deuxième. Donc là, je pense que je vais piocher 3 cartes. Une, deux. 3. Toujours pas soutien des aigles. Merde. Bon, c'est pas grave. Gandalf, il est là. Donc, il y a 4. Alors, là, oui, l'archerie, il y avait 4 ici, mais l'archerie, c'est tant qu'elle est en ZC. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai voyagé. Donc, il n'y avait pas archerie 4 à faire le tour d'avant. Hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, mais du coup, 10, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, 14. Et puis je jouerai la flèche rouge s'il y a besoin. Oh, cool, un aigle du Nord. Ah, ah bah comme quoi. Ah bah ça fait plaisir. Une fois réveillé, le premier joueur choisit un joueur qui prend le contrôle de l'aigle du Nord. Oui, bon, bah d'accord. Le joueur choisi peut choisir et défausser un ennemi non unique dans la zone de cheminement. Ah, je savais pas qu'il faisait aussi cet effet-là. J'ai tellement jamais vu celui-là. Bon, bah du coup, je suis content. Tiens, un aigle du Nord. Cool. Bon, à la renfort, évidemment. Ah, bah ça fait plaisir. Ah, une fois réveillé, chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle et lui inflige un point de dégâts. Chef, oui, chef. Je vais incliner lui, je vais. Non, c'est complètement con. Et bah, l'aigle du Nord, tiens. Après tout, on va voir qu'il attaque à 3 hein, quand même, ce petit couillon là. Parce que là, il faut prévoir que maintenant, on va se prendre des ennemis là. Bon, tiens, lui, allez, un point de dégâts et il meurt. Tant pis, on sacrifie. Et voilà. Donc, on a fait ça. Donc, il y a 4. Moi, j'ai 14. Je gagne 10. 10 moins 3, je gagne encore tout ce qu'il faut pour ça. Du coup, ça s'est passé. Et nous voilà arrivés en 2B. Ah! Le premier joueur renvoie dans la zone de cheminement chaque ennemi surveillant de la pile de victoire dans la zone de cheminement. Chaque autre joueur, mais il n'y a pas d'autres joueurs, donc. Donc eux, ils reviennent. Ah oui, mais alors, attendez, parce que là. Tac, tac, tac. Dans la zone de cheminement. Voilà. Alors, je ne voyage pas parce qu'il faut augmenter de 2 niveaux de menace. Et j'ai pas trop envie d'augmenter de 2 mon niveau de menace. Donc je ne voyage pas. Alors maintenant, par contre, il faut gérer. Alors, j'ai eu un succès de quête. Je peux piocher. Check. Ouais, cool, c'est Gwaihir. J'ai eu un succès de quête, donc je vais utiliser la réponse d'Irgon. Non, pas la réponse d'Irgon, la réponse de la flèche rouge, parce que je suis en vaillance. Donc je vais défausser la flèche rouge. Non, voilà. Je vais la mettre en pile de victoire pour chercher parmi les 5 premières cartes de mon deck un allié. Ah, puis elle soutient les aigles, évidemment. Et le mettre en jeu. Alors, c'est Pipin ou c'est le descendant de Thorondor? Bon, bah, ce sera le descendant de Thorondor. Ouais, quoi que Pipin, il est pas mal aussi, hein, finalement. Non, bah Pipin, il va pas me servir, là, parce qu'il attaque à 0, ce tour-là. Mais ça me fera d'autres volontés pour le coup d'après. Bon, on verra. Donc ça, c'est l'effet de la flèche rouge. Voilà, c'était... Donc, j'ai fait tous les succès de quête, c'est bon. Tac. Ensuite, bah évidemment, les trois ennemis m'engagent. Chouk. Alors, ils n'ont pas d'effet d'engagement, heureusement. Alors, par contre, il va falloir réfléchir sur comment on fait les trucs. Bon, de toute façon, lui, j'ai pas le choix.
Je suis obligé de défendre avec Radagast. J'enlève son effet ombre. Et comme il attaque à 4, et que Radagast défend à 3, il se prend 1, et je peux le redresser. Bon, ça, c'est fait. Lui, je pense que je vais le défendre avec lui, comme ça, je me prendrai pas de dégâts supplémentaires. L'ennemi attaquant gagne 1 pour chaque lieu camp dans la pile de victoire. Donc, il gagne 3. Donc, si c'est 3, 9. Moi, je défends à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merde, il se prend 2. Ouh, punaise. C'était chaud. Il se prend 2 quand même, ce petit couillon. Non, alors pardon. Non, non. Parce que ces deux-là, je les ai pas payés là. Or, ils sont allés en quête et ils ont eu un succès de quête. Donc, j'aurais dû les payer pour les garder. Et comme je les ai pas payés, ils s'en vont. Et comme ils s'en vont, évidemment, je les mets là. Voilà. Et du coup, lui défend à 9. Et donc, il se prend rien du tout. Ah, tout va bien, tout va bien. Je suis content. Alors là, on va défendre avec Gandalf, peut-être. Parce que sinon, il va m'augmenter de 2 mon niveau de menace. Ou alors, de toute façon, j'incline le bâton pour redresser l'aigle de démon brumeux. Et là, je défends avec Gandalf contre lui. Attacher la traîtrise orientale la plus proche de la pile de défausse de rencontre à l'ennemi attaquant. Alors ça, c'était... Ouais, alors ça, j'ai encore fait la connerie. Ça, c'est l'effet ombre de lui. Ça, c'est l'effet ombre de lui. Et les effets ombres, ils sont toujours défaussés en fin de phase de combat. Donc la traîtrise orientale la plus proche, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Et c'est un plus 2 d'attaque. Et merde. Ça veut dire qu'il attaque à 7. Alors heureusement, Gandalf défend à 4 et il se prend 3. Ouh. Et donc j'augmente que de 1 mon niveau de menace. Parce qu'il a, il a tenu. Voilà, donc là j'ai fait toutes les attaques. Alors maintenant que j'ai fait toutes les attaques, je pense que je peux enlever les effets ombres. Et voilà. Et maintenant, on va attaquer nous. Alors là, ça va être simple. Lui, on va lui pulvériser la tronche parce que c'est lui qui nous monte. Le niveau de menace, il faut 11. Là, j'ai déjà 9. 2, j'ai déjà 9, ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11. Pim. Allez, lui, il est mort déjà. On n'en parle plus. Merci, les démons brumeux. Lui, je suis obligé de l'attaquer avec les héros. Donc, on va évidemment attaquer avec Radagast et Gwaihir. Donc, il attaque à 6. Ils lui font 5. 1, 2. 3, 4, 5. Bim. Allez, bim. Il n'est pas mort, mais enfin, il est bien entamé. Et enfin, lui, bah, avec tous les attaquants qui me restent, je pense que je vais arriver à 11. Donc, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et il meurt. Bam. Et ben voilà. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Donc, nous sommes... Ah oui, alors ils ont quitté le jeu au fait. Donc, ah oui, non, mais c'est bon. Ils ont quitté tout à l'heure. Donc là, c'est bon. Dernière phase. Donc, lui, il s'en va. Lui, il se redresse, lui, il se redresse. Lui aussi, lui aussi, lui aussi. Mais pas Gwaihir. Lui, il se redresse, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Lui... Ah, il a pulvérisé quelqu'un, donc je pioche une carte. Lui aussi, lui aussi. Gandalf, bah, il s'en va. Tchouk. Oui, parce que j'ai payé plein pot, donc il s'en va. Voilà. On n'augmente que de 1 niveau de menace, on est à 48, mais on a faveur du Valar, donc on est encore serein. Et je crois que j'ai tout fait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les 20 jetons ici et tuer lui. Et c'est la flèche noire. J'aime la flèche noire. Même si elle vient un peu trop tard. 3 ici, 1 ici, 1 ici. Alors lui, il faut encore le défendre avec un héros. Donc c'est encore Radagast qui va s'y coller. Donc je vais le soigner tout de suite parce que sinon, la flèche noire, je vais la mettre sur Gwaihir, évidemment. Je vais défausser une carte, par exemple un vassal du Seigneur des Vents parce que j'en ai vraiment pas besoin. Puis j'ai les trois en plus. Donc je défausse une carte pour soigner Radagast de 1. Et à la limite, est-ce que j'en défausserai pas 2? Parce que je vais pas jouer tout ça de toute façon. Donc, bah, je pense que je vais défausser un deuxième vassal pour le soigner encore de 1. Alors là, j'utilise le champ de guérison, hein, bien sûr, vous avez compris.
Et peut-être un descendant du Taureau d'or parce que bon descend. Non, un Ménel d'or parce que de toute façon je l'ai déjà. Et ce coup-ci, il partira pas. Voilà, j'ai soigné Radagast. Il n'y a pas de limite au champ de guérison. Hein. On peut défausser autant de cartes qu'on veut. C'est vraiment super. Et voilà. Maintenant. Eh bien, faut jouer des cartes maintenant. Alors, est-ce que je ferais pas revenir Gandalf? À la limite, ça assurerait le coup. Mais je suis assez serein, donc non. Par contre, je peux faire ça. Il reste un Gandalf là? Oui, il reste un Gandalf. Bah, je pense que je vais tenter la dette de Gwaihir déjà. Ouais, allez, je tente la dette de Gwaihir. Je paye 1 dette de Gwaihir et je fais chercher un allié parmi les 5 premières. Et je le mets en jeu. Et ben voilà, Gandalf, parfait. Je fais venir Gandalf. À la fin du tour, si cet allié est encore en jeu, ramenez-le dans votre main. Donc il partira pas, il reviendra dans ma main. Et qu'est-ce que je fais comme effet avec Gandalf? Je serais bien tenté de piocher 3 cartes pour vraiment essayer de mettre soutien des aigles. Parce qu'encore une fois, avec Faveur du Valar, je suis quand même serein, puis j'ai un Gandalf en main, donc je pioche 3 cartes. Une, oui, deux, trois. Oh, bah deux ce coup-ci. Ah, bah voilà. Là, il y a quelque chose. Bon, bah soutien des aigles pour 3. Ah, mais j'ai pas joué de créature encore. Ah, merde. Alors, soutien des aigles, je peux incliner le soutien des aigles. Et je choisis un allié aigle et je donne sa défense ou son attaque à Gwaihir. Alors autant dire que Gwaihir, il va défendre ou attaquer à 16 milliards. Ça va être assez rigolo. Donc Gandalf, il est avec nous. Ensuite, alors faut quand même que j'essaye de jouer un allié aigle parce que sinon, bah, je suis comme un couillon là. Donc je vais refaire venir un émissaire des aigles. Pour 2. Ah non, je suis obligé d'incliner le bâton de Radagast pour le payer à 0 au lieu de 2. Et comme ça redresse Gwaihir. Voilà, bon quête, on va pas mettre les 20 tout de suite. Je pense pas qu'on mette les 20 d'un coup. Ça va pas être possible. Mais on va se charger de lui. Et le coup d'après, bah, normalement, le coup d'après, on gagne. Donc, on va mettre. Alors lui, il va attaquer à 16 milliards. Donc lui, ce sera l'attaquant et il va nous buter lui. Radagast, il va le défendre. J'ai joué une créature, donc Radagast, il va en quête sans s'incliner, ça fait 2. 3, 4, 5, 6. 7, 8. 9, 10, 11. 12, 13. Eh ouais, j'ai pas beaucoup. 13, 14, 15. Par contre, je pourrais pas le garder. 15. 16. 17. On va envoyer tout ce qu'on peut. 17, 18. Allez, 18. Et on y va. Et puis Gandalf, je le garde pour les coups durs. Maudit, hein? Une fois révélé, chaque personnage incliné perd moins 1 jusqu'à la fin de la phase. Donc je perds 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je perds 8. Donc de 18, je passe à 10. Pim. Mais j'ai quand même du coup 6 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, bah du coup, Gandalf, il m'a servi à rien. Il va rien faire ce tour-là. J'ai eu un succès de quête. Donc avec lui, je pioche une carte. C'est la veille secrète. Lui, je dois le payer avec une ressource tactique, mais j'en ai plus, donc je ne peux pas le payer. Donc il s'en va et il vient sous l'aigle des monts Brumeux. Et je crois qu'en succès de quête, je peux faire venir un allié. Et ben, ouais, je vais faire venir un allié. Hein. On va pas se priver. Donc, pour 1, alors du coup, avec le succès de quête, hein, Irgon, il est limité à. Enfin, c'est limité à 1 minimum. Donc, même avec la baisse de coût d'Irgon, je suis obligé de payer 1 pour le vassal. Et voilà. Je voyage pas, évidemment, on s'en fiche. Il y a combat ici, mais lui, il va prendre, il va en prendre plein la tronche. Je défends sans effet ombre. Il attaque à 4. Il se prend 1. Et pour le fun, et ben pour le fun, on va incliner le soutien des aigles pour choisir l'attaque de l'aigle des monts brumeux qui va booster Gwaihir. Or, l'aigle des monts brumeux, il attaque à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Donc, Gwéhir, il attaque à 14. Et je pourrais même d'ailleurs lui mettre plus 5 avec la flèche noire. Autrement dit, lui, il est pulvérisé. Voilà. Ah bah tiens, j'ai mis Legolas aussi dans l'attaque. Parce que comme ça, du coup, ça me permet de piocher puisqu'il a détruit un ennemi. Et c'est encore une veille secrète qui ne me servira pas. C'est dingue, hein, on n'a pas eu beaucoup d'ennemis. Hein. D'habitude, on en a, mais c'est marrant. Hein. Voilà, bah c'est la fin du tour. Fin du tour. Je vais défausser une carte pour soigner Radagast, tant qu'à faire. Bah, un soutien des aigles. Puisque de toute façon, je peux en mettre qu'un. Et voilà. Et ben voilà, fin du tour. Alors non, lui, il ne se redresse pas. Lui. J'ai pioché une carte, hein, je crois. Et là, donc, j'arrive à 50. Mais grâce à Faveur du Valar, hop, je reviens à 45. Tour 8. Je pioche une carte. J'ai des sous. Ah oui, et lui, il est parti. Alors non, il n'est pas parti, il revient dans ma main. C'était parce que je l'ai joué avec Dead de Gwaihir. Et comme l'action de Dead de Gwaihir, c'est en fin de tour, et que ça aussi, c'est en fin de tour, on doit le défausser en fin de tour. On choisit dans l'ordre, évidemment, premier ordre. Je l'ai pris dans ma main. Lui, il se redresse. Et voilà. Bon, ben voilà, normalement, si tout va bien, c'est le dernier tour parce qu'on va mettre le plus possible en quête. Donc, je vais jouer tout de suite une Dead de Gwaihir. À quoi que des alliés aigles, il ne doit plus m'en rester des masses. Hein. Des alliés aigles, il ne doit plus m'en rester des masses. On va voir. 1. Je joue une Dead de Gwaihir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et ben voilà, je vais faire venir un aigle démon brumeux qui viendra dans ma main à la fin. À la fin du tour, si ce n'est pas le dernier. J'espère bien que c'est le dernier. Je vais faire un vol des aigles. Je vais ramener Ménéldor dans ma main pour redresser. Alors d'ailleurs, lui, il se redresse au passage, parce qu'il y a l'aigle mon brumeux qui est venu. Mais surtout pour mettre deux jetons ici et pour mélanger mon dernier aigle du Nord dans le deck de rencontre. Et évidemment, nous allons repayer en inclinant le bâton pour 2 de moins, donc pour 1 au lieu de 2, Ménéldor. Donc Ménéldor qui revient en jeu et qui me remet 2 jetons sur cette carte. Et du coup, elle est explorée. Voilà. Et bien, ma foi, c'est pas si mal. Et du coup, bah, j'ai peut-être encore un allié à jouer qui va m'apporter de la volonté. L'aigle démon brumeux, non, il est trop cher. Et bah lui, tiens, tant qu'à faire. Ah bah non, parce qu'il est. Je peux pas le payer avec Irgon, lui. Ah zut. Oh, je peux faire venir personne. Oh la loose. Bon, bah c'est pas grave. Ouais, j'aurais peut-être mieux fait de venir Gandalf en fait, mais enfin bon. Ah oui, elle s'est redressée. Allez, bah on va envoyer tout le monde et puis avec un peu de bol, ça va passer. Avec un peu de bol, ça va passer. Alors on y va. Donc 2 sans s'incliner parce que j'ai fait venir un allié. Ah, j'avais pas un Wiliador là dans le lot là. Je peux pas faire venir un Wiliador. Ah non, j'en ai plus. Ah ouais. Donc 2 sans s'incliner. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Allez, 24 et ça devrait être bon. 24, sachant qu'il y a 2 dans la ZC. Ah ben, c'est maintenant qu'ils arrivent, ces ennemis. 3. Ok, il n'a pas d'effet une fois révélé. Il y a 5, moi j'ai 24. Je gagne 19. Et c'est passé. Parce qu'il faut faire 20, parce que c'est 10 plus 10 par joueur. Donc 19, et j'avais déjà 6. Donc c'est bon. Eh bien c'est gagné. Eh bien ça fait plaisir quand même. À ma troisième partie, hein, c'est la première partie que j'essaye après la précédente que vous avez peut-être regardée, la Terre des Lamentations 2 sur la chaîne.
On voit tout de suite qu'effectivement, ça passe beaucoup mieux, bien sûr. Les quelques petits changements, mine de rien, font que ce deck est quand même beaucoup plus solide, même en solo d'ailleurs, hein. Même si vous le jouez sans le deck buff, il est beaucoup plus solide avec Gandalf. Sachant qu'avec Gandalf, le problème, ça va être les ressources. Parce que le bâton, évidemment, le bâton permet de faire venir des alliés aigles ou des alliés créatures, mais évidemment, ça marche pas sur Gandalf. Donc, pour Gandalf, sans l'intendant du Gondor, vous n'avez pas les 5 ressources, vous n'en avez que 3. Mais sur un deuxième tour, vous pouvez le faire venir. Donc, même comme ça, je trouve qu'il est beaucoup mieux en fait. Voilà. On n'a pas vu les dernières cartes que j'ai rajoutées. Si, Legolas, bien sûr, très important, Legolas. Alors, même chose, Legolas, il faut 2 tours pour le faire venir si vous n'avez pas l'intendant du Gondor. Parce que il va vous falloir 4 ressources tactiques. Ou 3 si vous faites l'effet d'Irgon. Donc ce qui est pas négligeable. Donc évidemment, là, le fait que j'ai l'intendant du Gondor du deck buff fait que je suis très à l'aise sur les ressources et je peux mettre des alliés très chers. Mais bon. Enfin, vous avez vu quand même que le fait d'avoir l'aigle démon brumeux dès le début est quand même extrêmement important parce que c'est lui ensuite qui va défendre ou qui va attaquer les gros tons. Alors, sauf ceux sur lesquels on ne peut pas, évidemment, mais voilà. Et c'est évidemment l'aigle majeur. Et surtout, il faut l'avoir au début parce que sinon, tous les effets d'aigle que vous faites revenir et tout ça, s'il n'est pas là, vous les perdez en fait. Hein. Vous les faites, si vous devez les défausser, vous les perdez. Alors que si vous devez les défausser et que vous avez l'aigle des monts brumeux, vous ne les perdez pas puisqu'ils vont booster l'aigle. Donc, bon. Ça aide quand même beaucoup. Alors pourquoi j'ai gagné cette partie? Je pense en partie à cause de ça. Le fait que je mette l'intendant sur Irgon et non pas sur Radagast, à mon avis, c'est aussi beaucoup plus stratégique, enfin beaucoup plus intéressant, puisqu'encore une fois, on a besoin de beaucoup de ressources tactiques. Et Radagast est là pour payer les créatures de toute façon. Et il y a que des créatures dans le deck, hein, quasiment, à part Legolas et puis je crois que c'est tout. Et si Pipin, qui n'est pas une créature non plus, mais c'est les seuls. Tous les autres, c'est des créatures. Donc évidemment, les ressources de Radagast, vous allez les utiliser de toute façon. Voilà. Alors heureusement, évidemment, qu'on avait le champ de guérison aussi. Et le deck buff a bien agi, hein, évidemment. On est parti à 31 au lieu de 33, ce qui est déjà pas mal. Tout en piochant, puisque j'ai joué des sommes de connaissances. Le tison, évidemment, très important sur Radagast, qui permet de défendre sereinement. Donc évidemment, là, le deck buff a parfaitement joué son rôle. C'est comme ça qu'il faudrait partir. J'étais serein sur la menace, hein, parce que vous avez vu, j'ai même pas utilisé les Gandalf pour la menace, puisque j'avais faveur du Valar. Et en plus, en partant à 31. Et dans le deck, vous voyez qu'on a quand même pas mal pioché, parce qu'en 8 tours, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Donc il y a quand même pas mal de cartes de pioche, mine de rien. Évidemment, les aigles arrivent, somme de connaissances du deck buff, les effets de Gandalf. Bref, je trouve maintenant que là, j'arrive à un bon deck aigle, accompagné de son deck buff. Et du coup, c'est quand même super sympa à jouer. Évidemment, l'inconvénient, c'est de penser à tous les effets des aigles, notamment les émissaires, là. Les émissaires qu'il faut payer pour qu'ils restent, enfin, ce genre de trucs. Des fois, c'est un petit peu pénible. Bon, ben voilà, c'est une victoire. On en a enfin fini avec la Terre des Lamentations. Hein. J'espère ne pas avoir fait d'erreur, mais je pense pas. Enfin, en tout cas, je pense pas que ce soit fondamental. Soutien des aigles, c'est dommage. On l'a utilisé qu'une seule fois, mais pareil, cette carte vient dès le début avec l'intendant du Gondor. Je peux le payer tout de suite et ça change radicalement la partie, puisque du coup, ça fait que Gwaihir est très très fort. Voilà. Donc, ça, là, c'est pas de bol. Il est venu très tard. Mais Gwaihir avec soutien des aigles est un héros extrêmement puissant. Et comme je peux le payer tour 1 avec l'intendant du Gondor, c'est quand même une carte très intéressante. Dans le deck sans le deck buff, soutien des aigles n'est peut-être pas si intéressante que ça. C'est peut-être une carte qu'il faudrait enlever et remplacer peut-être par des alliés ou des trucs comme ça. Par exemple un ours géant ou. Non, parce que c'est cher un ours géant aussi. Mais voilà, soutien des aigles, il marche bien si on peut le payer vite. Sinon, c'est vrai qu'il est déjà beaucoup moins efficace. Bon, en tout cas, oui, tiens, on peut faire le score quand même, ça fait longtemps. Donc 80 parce qu'on a fait 8 tours. 80 et 45, ça fait 125. 125, il n'y a pas de dégâts, donc c'est bon. 125, et puis on enlève les points de victoire
ici. Alors, on a combien en points de victoire? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 125 moins 8, et ben ça fait 117. Ouais, c'est ça, 117. Donc bah 117 de score. Voilà. Bon, après, c'est pas forcément une information très intéressante. Et ben voilà, merci d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sans doute encore avec ce deck, mais sur d'autres scénarios, évidemment, que j'essaierai de passer. En attendant, le paquet numéro 6 du cycle 9. Je vous dis à bientôt. Au revoir.